Mercredi 6 juin 2018, mesdames, messieurs, bonsoir, bienvenue à ce journal. Tout de suite, les informations. Dans le cadre des interventions de la caravane du changement au niveau du département de l'Ouest, plusieurs travaux ont été lancés dans la commune de Croix-des-Bouquets. Ces chantiers viennent donc confirmer l'effectivité du déploiement de la caravane à travers les différentes communes du département de l'Ouest. Suivant. Nous avons sur Benap travail là-dedans. Nous avons tout près à nous avons Tomazo. Nous avons route du Mé qui nous là-dedans. Et nous avons route et Malpass qui à peu près 5 km n'a fait de. Après ce poste là pour arriver juste Malpass qui n'a fait. Route ça n'a pas gardé là. Son route internationale qui est liée. Il était toujours trop restreint. Il était trop petit. Nous essayons là, on a ouvert la route là. Départ et d'autres. 7 mètres départ et d'autres. Route là déjà 7 mètres. Déjà ça fait 3, 7, 21 mètres qui n'a ouvert la route là. Donc le travail sur là, son travail qui commençait. Dans le premier point, elle a commencé avec la démolition. Nous avons fini avec ce qui nous démoli. Nous avons entré dans une phase qui nous a décapé. Nous disons bravo à président de la République qui a compris la réalité. Faut que nous, c'est vrai, elle dit parfois nous permettre parfois des activités, des bagages, qu'on comprenne. Pourquoi le président qu'on dit nous il trop, mais ce n'est pas pour bagages personnels, mais c'est pour circonscription. Là, nous prenons route ça là, et nous prenons depuis Pont-Aba, rivé sous commissariat Croix-des-Bouquets, et passer sous commissariat pour pointer route Fond Parisien. Et nous avons route du Mai qui peut aller vers les Trois Belles Fontaines, connexion les Trois Belles Fontaines. Nous avons route La Serre, nous avons route qui commence déjà, route Lille-la-Voie qui commence. Nous avons route qui peut aller, qui passe, route Zorangéa, nous avons commencé depuis Titanien pour nous rentrer sur dos. Nous avons route du Mai qui peut commencer. Croix-des-Bouquets pas de route. Et forme d'où si, depuis les gens ou les gens, peuple Croix-des-Bouquets, pas de bal mandat ça, pour te représenter nous au niveau parlement, pour ne pas aller dans la division, pour te travailler, dès qu'on sait avec le président Jovenel Moïse, Croix-des-Bouquets est enterré. Parce que Croix-des-Bouquets pas de route, forme d'où c'est un petit race, un type là, mec, t'es là. C'est grâce à depuis les gens ou les gens, avec le président Jovenel Moïse, qui a rendu la caravane ça possible. Et c'est pas seulement où Dival là, nous besoin de 125. C'est une initiative pour nous, Croix-des-Bouquets, qui, plus que louable. Parce que Croix-des-Bouquets qui c'est en ville, nous avons dit qui est international, route ça était très misérable. Et valait leader qui passait, les gens qui passaient, pas de jambes bon volonté pour te faire. Mais avec député Jean ou les gens qui étroitement après avec le président Jovenel, nous sommes aujourd'hui, nous sommes caravane atterri, Croix-des-Bouquets. Nous avons accueilli favorablement l'initiative que caravane débarqué dans la commune. Nous voulons remercier premièrement le député Jean-Oulier Jean qui a inséré route ça dans le budget et nous dit aïe au président Jovenel Moïse avec un ministre TPTC qui travaille d'arrache-pied pour essayer de doter le pays de un changement réel parce que il n'y a pas gagné changement, pas gagné développement sans route. Et je dis pour ça nous avons subi dans le Croix-des-Bouquets, nous dit aïe bobo pour le président Jovenel et nous dit député Jean-Oulier Jean, qu'est-ce que là, palagé parce que le pays a besoin de jeunes garçons, ça y est, qui ont fougue, dévouement, qui ont dignité, qui veulent travailler pour un développement réel dans le pays d'Haïti. On va continuer à parler d'infrastructures avec les travaux d'entretien en cours depuis quelques temps sur la route de Delma qui devrait terminer sous peu. Ce chantier confié par le ministère des Travaux publics à la compagnie de construction Romix concerne notamment le segment Delma 95, Delma 60. Direction le Parlement pour parler du dossier Café Trio. C'est à la majorité de 16 sénateurs que les pairs conscrits ont voté en faveur d'une résolution hier mardi en rapport à l'incident survenu à Café Trio au Cap-Haïtien. Les sénateurs réclament notamment dans ce document l'adoption de mesures conservatoires contre le commissaire du gouvernement de la juridiction du Cap-Haïtien, Bernard Charles, et le délégué départemental du Nord, Antonio Jules, pour avoir empêché l'arrestation d'un des trois suspects dans ce dossier. La résolution fait suite aux révélations contenues dans le rapport d'une commission d'enquête sénatoriale sur le drame. Le Grand Corps a ainsi tranché au cours d'une séance plénière spéciale organisée hier mardi pour questionner le Conseil supérieur de la police nationale sur un ensemble d'événements malheureux dont l'incident de Café Trio. Suivant. Nous arrivons quand même sur trois dossiers que nous avons traités. Dossier Cap-Haïtien. Hein? Le sénateur a adopté quand même dernière mesure, nous avons fait des recommandations que nous estimons qui est pertinente et ce qui n'est pas retiré droit
à la justice de faire travailler comme cela se doit, étant donné qu'il y a une suspicion, il y a des doutes qui planaient sur des autorités établies. Nous estimons qu'il était encore plus correct et plus politiquement et plus correct que au moins nous faire en sorte que pas gagner des doutes qui a persisté sous des mondes pendant qu'ils ont occupé des fonctions importantes dans l'État. Mais tout compte fait, n'a dit ce sont des recommandations que demain matin, disons ce matin, n'a pas formulé et adressé correspondance à l'exécutif là, disons à toute fin utile. Ça ne veut dire pour autant que l'exécutif là a exécuté ça non dit là, mais cependant son recommandation que nous faisons au regard de toute information que nous gagnons. Et nous capables tout que dossier Tchota il fait couler en pile salive et nous voyons que nous sommes très sérieux sur le dossier Tchota, surtout que Tchota c'est en commune la Caïmoento et que nous sommes très préoccupés par question ça, nous avons des failles importantes qui gagnent dans Brissif là. Et pour question arrêtée et présidentielle là, tant qu'on nous dit, et au terrain nous faire remarque là, et on a arrêté qui prend le Conseil des ministres, tant qu'on est capable de dire, c'est le Conseil des ministres, présidé bien sûr par le Premier ministre, c'est la plus haute instance exécutive, la plus haute instance décisionnelle au niveau de l'exécutif. Et par conséquent, toute mesure qui est adoptée en Conseil des ministres, le monde qui peut appliquer là, obligé d'obtempérer, à aller sinon que tu as paré ton acte d'insubordination. Vu que pas une instance qui a attaqué, devant instance, ça n'a pas existé, c'est le Conseil constitutionnel. Et comme c'est au regard des articles 13 et 17 que mesure là les prend, encore une fois, nous croyons que le Parlement a un rôle pour le jouer, pour lui capable lui-même et clarifier l'article SAO en façon pour permettre qu'il y ait suffisamment de sérénité dans différents pouvoirs et l'État, et plus particulièrement au niveau de la police, là, tout est dans le rapport et police là, avec l'exécutif en général. Deux enquêtes ont été ouvertes dans le cadre de l'incident survenu à Café Trio, a fait valoir le ministre de la Justice et de la Sécurité publique, Jean-Roudy Ali, devant l'Assemblée des sénateurs. Au cours de l'audition des membres du CSPN, le mardi 5 juin, le titulaire du MJSP a fait valoir qu'il attend à présent les résultats judiciaires du cas haïtien avant d'agir. Jean-Roudy Ali. Il y a deux types d'enquêtes qui étaient diligentées dans le cadre de ça. Premièrement, il y a une enquête administrative que la police a fait, l'inspection générale de la police a fait, pour arriver à regarder qui responsabilité policière qui était là pendant l'événement. Enquête ça, li en cours, d'après information que le directeur général de la police a ben moins, que sous peu, il y a besoin de résultats enquête administrative ça. Deuxième niveau, c'est l'action publique qui a été mise en mouvement. Dès lors que il y a une infraction qui commet, dépendamment de nature infraction, il y a une possibilité soit pour saisir le tribunal correctionnel. Alors, si c'est en contravention, c'est le tribunal de Saint-Police, mais en matière criminelle, il est obligatoire que vous saisissez le cabinet d'instruction. En l'espèce, le commissaire gouvernement cap-haïtien met l'action publique en mouvement, il décerne des mandats, li déférer dossier à cabinet d'instruction. À partir du moment où dans cabinet d'instruction, moi-même, ministre de la Justice, garde des Sceaux de la République, respectueux des principes constitutionnels, je pas qu'à immixer dans ça la justice a fait. Parce que principe séparation des pouvoirs est consacré au niveau article 60 et 61 de la Constitution. Chaque pouvoir est indépendant l'un de l'autre. Et que yon pas capable transférer pouvoir gen bay lot. Donc pouvoir exécutif la pas ka immixer dans sa pouvoir judiciaire la fait juge d'instruction cap instruit dossier. La loi sur l'appel pénal dit li gon délai pour le faire instructionner et instruction li secrète. Moi même ministre de la justice m pas fait immixion dans sa juge d'instruction a fait m'attend ordonnance juge là cap dit qui ça gagne. Est-ce que c'est une ordonnance de renvoi? Est-ce que c'est une ordonnance de non-lieu? C'est ça qui permet de nous connaître qui est responsable de ça qui fait, dans le sens où, si c'est une ordonnance de non-lieu, bon, on n'a pas compris qui ça y est. Si c'est une ordonnance de renvoi,
la permettre, il y a le devant, juridiction de jugement pour fixer responsabilité. Yo. Mais ministre de la Justice, nous-mêmes, nous avons respecté la loi, respecté sa constitution, on dit, principe séparation des pouvoirs, interdit que nous y mixer dans sa juge la paix, nous obtenons ordonnance juge d'instruction dans le dossier. Ça. Sachez aussi que les sénateurs de l'Artibonite et du Nord-Est, respectivement Youri La Tortue et Jacques Sauveur-Jean, ont exprimé ce mercredi 6 juin leur satisfaction par rapport à la résolution prise par l'Assemblée des sénateurs sur l'incident survenu à Café Trio au Cap-Haïtien. Dans le cadre de cet incident, le samedi 28 avril 2018, on a enregistré un mort et plusieurs blessés après que des individus non identifiés ont lancé des gaz lacrymogènes à l'intérieur d'une salle où plusieurs centaines de personnes prenaient part à une conférence débat animée par les sénateurs Youri La Tortue et Jacques Sauveur-Jean autour des dépenses liées au fonds Petro-Caribé, suivant leurs précisions. Après le rapport, la commission n'a pas conclu, il était quitté l'Assemblée pour décider sur ce qui était dans le menu. Et c'est comme ça que l'Assemblée a fait proposition que faut prendre des mesures conservatoires, administratives conservatoires, contre délégués et contre commissaire gouvernement, parce qu'il fait obstruction à la justice. Il fait obstruction à l'enquête sénatoriale. Nous espérons que le monde qui pour prendre décision, il tire plomb dans le talon soulier pour avancer plus rapidement, pour faire que la société Capoisa, famille Jacques Dubois et nous-mêmes comme Parlement, qui avons deux membres nous présents dans l'événement, ça a joué une justice nous, parce que on peut toujours tolérer l'illégalité, l'inégalité, mais l'injustice est révoltante. Le Premier ministre Jacques-Guy Lafontaine fait l'éloge des efforts déployés par la hiérarchie de la police nationale d'Haïti pour professionnaliser l'institution. Invité au Sénat de la République le mardi 5 juin pour répondre aux questions relatives aux conditions d'insécurité dans certains quartiers de la capitale, le chef du gouvernement a demandé aux parlementaires d'encourager la PNH dans sa mission d'assurer un climat de sécurité dans le pays. Le Premier ministre Jacques-Guy Lafontaine. C'est pour vous dire que la population l'a gardé nous. Et institution ça qui relève la police moi-même en ma qualité de président du conseil du CSPN faut me dire nous que la police là n'est pas une institution faible, son institution qui de plus en plus forte, son institution qui de plus en plus professionnelle, mais faut me dire nous que la police là il y a moyen pour le traquer bandit et pour le mener by la justice. Donc, je pense que c'est un très mauvais signal le que devant la population n'a pas les deux faiblesses la police. Là. Bien sûr, grand pile effort qui mérite fait, mais il faut me dire que M. Zedamio, n'est-ce pas vrai, directeur général de la police, là, tout commandement de la police, là, il a fait un paquet d'efforts pour la police à Kavin de plus en plus professionnelle. Dossier justice, le parquet du tribunal de première instance de Port-au-Prince s'apprête à organiser d'ici le mois de juillet prochain des assises criminelles sans assistance de jury. Selon les dires de Bernard Saint-Ville, doyen du tribunal de première instance de Port-au-Prince, plusieurs juges ont déjà été mobilisés pour le déroulement de ces assises. Suivant. 16 juillet, on a commencé assises criminelles avec assistance du jury. Mais avant 16 là, nous avons commencé des audiences criminelles sans assistance du juge. On a fait la chaque jour. Dans la semaine, ça, nous avons des audiences criminelles chaque après-midi. Nous avons deux cas chaque après-midi qui attendent. Mais avant même 16 là, arriver pour nous commencer avec le jury, nous avons des audiences criminelles sans assistance du jury. Depuis, Jean, on a fait depuis quelques semaines dans le tribunal. L'année, ça, nous avons beaucoup parce qu'on a l'année dernière, à cause de grève greffier, pas de gagner assise criminelle avec assistance du jury. Ça veut dire, l'été venu à calmer, nous avons fait des audiences criminelles sans assistance. Pendant toute l'année, nous avons fait des audiences criminelles sans assistance. Mais on connaît, pour assises criminelles avec assistance, on a un paquet de formalités. Pour remplir le mandat, on a un budget tout. Parce qu'on a bien, faut manger, restauration, tout ça. Il faut avoir des déplacements pour aller déposer, il faut assurer la sécurité, il faut avoir un éclairage particulier pour la cour tribunal. Là, bah, on est des fois, il y a affaire qu'on fait tout de suite là. Et assises criminelles avec assistance du jury, c'est sans interruption. On est capable de faire des suspensions d'audience pour permettre mon pour un bagage, mais on pas qu'à renvoyer vraiment. Ça veut dire qu'il faut aller jusqu'au bout pour évacuer complètement l'affaire. C'est ça que fait assises criminelles, on pas qu'à faire tout le temps.
Ouais, la loi prévoit qu'il faut avoir au moins deux sessions assises criminelles avec assistant du juge. Depuis toute bagaille fine, toute formalité remplie, ça veut dire ordonnance de renvoi signifiée, pas de gain recours, depuis acte d'accusation signifié, non seulement arrêté pour faire interrogatoire translatif, mais pour fixer date d'audience, mais lui-même son cas criminel sans assistant du jury. Parce que lors d'enlèvement suivi de séquestration contre un son, ça, le jury n'a pas attendu. Le jury a ce crime de sens seulement. Elle dit meurtre, assassinat, infanticide, parricide. Tout l'autre fait, yo, c'est criminel sans jury. Et si même le dernier meurtre est accompagné d'autres faits, c'est criminel sans jury parce que le jury n'a pas statué sur l'autre bagaille. Donc, enlèvement, vol à main armée, séquestration. Le jury n'a pas de compétence pour statuer sur le bagaille. C'est le système juge unique qui l'a pour tendre l'autre caillou depuis l'accompagné de l'autre bagaille. Diplomatie Haïti s'est positionnée en s'abstenant lors du vote de la résolution initiée par les États-Unis pour expulser le Venezuela de l'OEA. Les députés de la vallée de Jacmel et de Tomaso, Franck Loture et Kaï Cyprien estiment que le vote exprimé par le gouvernement haïtien lors de la 48e Assemblée générale de l'OEA a été correct. Ces parlementaires soutiennent que le pays a des redevances autant envers les États-Unis d'Amérique que le Venezuela. Un extrait de leur déclaration. Haïti exprime un vote qui permet de conserver sympathie des deux acteurs principaux, on parle des États-Unis avec Venezuela. Même si pour un pile observateur, Haïti a voté contre les deux, mais de point de vue diplomatique et politique, Haïti réussit par son choix conserver sympathie même relative des États-Unis et du Venezuela. Et Haïti situation était très 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 délicate lorsque nous connaissons que Haïti n'étant pas souveraine, il gagnait les mains et les pieds liés par l'affaire Petro-Caribé qui rend redevable envers le Venezuela. Et quant aux États-Unis, nous tous connaissons pour en pile haïtien et jodi a trouvé aux États-Unis pour la plupart en pile là-dedans en situation irrégulière. La question de TPS, nous connaissons ça déjà. Donc ça fait que Haïti est obligé de gagner une position qui pas trop extrémiste. En position et du centre qui permet de conserver au minimum de sympathie des deux acteurs principaux. Vu l'histoire qui lie pays d'Haïti avec Amérique latine et rapport qui gagne entre Haïti et les États-Unis, je pense que position pays d'Haïti a toujours supposé une position médiane. Il n'est pas qu'à Alpha, parce que tout récemment, nous connaissons Venezuela est considéré Haïti comme étant et maman liberté dans l'Amérique latine, c'est que là nous te fin prendre indépendance nous te permettre avec mes moyens nous te gagner pour libérer toute l'Amérique latine non? C'est on dette morale que Venezuela gagne envers nous, mais tout récemment Hugo Chavez te permettre que dette morale ça a commencé tout en réalité parce qu'il te permet de participer dans le programme Petro-Caribéa. De l'autre côté, nous sommes obligés de ménager la chèvre et le chou parce que nous connaissons que nous avons un pile haïtien qui est aux États-Unis, parmi lesquels il y a un pile là qui est illégal. Nous connaissons que nous avons mal épandu sous tête nous dans le TPS là, d'environ 58 000 haïtiens. Qui l'autre bois que yo beaucoup renouvelé TPS pour yo qui probablement à n'importe quel moment yo capable voyer retourner en Haïti dans question TPS là. Donc moi pensais que de manière très stratégique le gouvernement haïtien était obligé pour une position médiane. Quant au député de Kinskoff, il se déclare en total désaccord avec le vote. Alfredo Antoine affirme qu'Haïti devait voter contre la résolution parce que, selon ses dires, les fouilles des rapports de coopération avec le Venezuela sont assez palpables et concrets pour motiver une telle décision. Alfredo Antoine. Mais je parle en tant que parlementaire, si je vote que je tape adopté, et pour, si c'était une convention, si c'était un accord que tu voyais au niveau parlement pour ratifier, ou résolution ça c'est ratifié, t'as ratifié le compte Venezuela, t'as voté pour
pour Venezuela moi-même, en faveur de Venezuela. Parce que et puis question élection sont actes de souverain relié de les nationaux qui définit question. La CAI, les États-Unis sont gagné élection, il y a un problème la CAI ont contesté jusqu'à présent, ils ont remetté en cause. Donc question élection sont actes de souveraineté nationale, c'est les souverains, c'est les nationaux qui doivent discuter. Autre nouvelle, la Fondation Collez Épaules table actuellement sur l'évaluation du projet Chimelavimio dans le département du Centre. Une visite de terrain vient d'être entreprise en ce sens. Les bénéficiaires de ce projet se déclarent satisfaits jusqu'ici des avantages obtenus. Ils ont profité du déplacement des responsables de Fonds Causé pour faire quelques suggestions susceptibles de contribuer à l'avancement du dit programme. Suivant. Ils ont fait formation pour nous et puis après ça encore, dans la formation, yo fait yo formation yo en pile, gen pile bagay yo pas connait. Dans la formation, yo me vinn connait yo gen pile gens de bagay. On pas espérer connait si m'tap connait, mais grâce avec CLM, programme CLM, moi vinn arriver connait yo. Yo bon petit bête, commence à kembe yo pour quitter yo. Ya on a suivi nous comment y a des arriver. On va nous mettre là pour le manger, au bal de l'eau, on prend soin. On t'en regarde pour ça là quand tu es arrivé là. Le programme a commencé bon mieux. Après ça, chaque fois c'est passé, yo bon cop. Après ça encore, la fini, yo même gros toilette là, yo fait pour moi. Chaque individu dans le programme n'a atteint niveau par yo, mais nous-mêmes nous avons minimum que nous demandons pour nous atteindre après 18 mois. Comme tu dis nous, que faut au moins mon cabaye, famille, au moins un planche par jour. Mouni en santé, pas de aucun petit monde qui souffre malnutrition. Et puis, il y a un plan pour demain. Si il y a un couvri, bien couvri, la plupart de monde, il y a une toilette. Et puis, il y a pensé pour demain. Parce que auparavant, il y a vivre au jour le jour. Tout jour, c'est le même jour pour eux. Pas de aucun plan. Mais à travers le programme, nous faisons réfléchir, nous planifier pour demain. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Bonne soirée sur la TNH. Au revoir.